7 stocks d'avance, peut-être qu'il peut d'ailleurs prendre des petites libertés, peut-être qu'il peut aller Elsgard désormais faire peur. C'est le premier side B qu'on voit et c'est peut-être le moment clutch. Ça c'est propre, bien joué. C'est le side B clutch, il a jamais fait de side B de tout le set. Attention, la moindre erreur, la moindre ralentissement. Et c'est la punition, prise d'appui sur cette plateforme. D'ailleurs, il est récompensé sur. Et pas la bombe. C'est bien dommage là-dessus parce que là, malheureusement, on va. Oh, il y a une bombe. Quoique, il est encore en vie. Nerf également dans la situation, c'est tellement tendu cette première stock. Avec le Nerf sera insuffisant, ce drac au feu. La bombe, c'est pas attaqué. Ça meurt. Ah non, que la game commence. 1, 2, 3, 4, 5, 4, ça sera 4 F-tilt, mais c'est 30% quand même. On mange dans l'air ici. Oui, oh là là, lecture de Meso. Il y a plus de saut, mais c'est pas grave. Air dodge, tranquillement. Il est gentil. On va pas dire non. On est là tranquille, c'était l'air dodge. Ça comme ça. Ah là là. Bon. Sur le side B, je pense quasiment que c'était un wave bounce qu'il voulait proposer. En fait, le problème avec Nintoff, c'est que son style de jeu demande beaucoup d'input, on va pas se mentir. Il y a tellement de wave bounce, il y a tellement de petits trucs comme ça pour se reprendre. En contrôle, désormais, Thunder est complètement naïf et Enki va aller chercher avec un fort radar qui va être permettre de remonter la pente. Bien joué. Faut Edgeguard, hein, faut Edgeguard, Lucas, c'est gratos dehors, c'est gratos. Malheureusement, ce backer il ira pas plus loin. On arrive à Edgeguard ou pas? Voilà, il y a le Zer. Attention, le dernier. Est-ce qu'on a la suite ou pas? Il a la suite. Smash en désar, enfin en tech play, c'est trop bizarre. Mais bon, Enki va s'adapter. Ça se remonte évidemment. Ça peut se spike également, absolument. Ça se spike et un gros backer sous PS2. C'est pas passé loin le backer, hein, je vous. Yes, tu peux pas, mais non, mais t'es trop loin. Putain, mais le Game Watch, il bourre ses grands morts, mais quelle personne de con. Oh là là, voilà, mais. Donc, deuxième game. Yes. J'ai l'impression que ça va être un speedrun, hein. Allez, voilà, l'ouverture de notre rail. Il a trouvé un air. Ça dégoûte. Ça dégoûte. J'ai même pas envie de commenter, ça me sidère. Il a tué tous les cassés Spargo maintenant. 140%, la prochaine touche peut-être. Oh il a DI. Light qui est enfermé et ça continue. Oh quoi? Pardon. Classique MKDO. Et en même temps on cherche la bonne option pour se débarrasser de ce renard. Et on inverse avec un air dash attack. On se retrouve offstage, on vient terminer. Non, toujours là, toujours la DI qui est présente. Et on essaye de revenir, on vient chercher tout en bas la tech. Ça retech encore derrière, mais ça retech du côté de MKDO. Non, ça ne t'écrase pas, il est mort. Mais monsieur... Attention cependant, cette sauve est très importante. On rate la flèche, malheureusement. Mais ce qu'on rate pas, c'est ce donner salvateur. Spargo n'a pas gratté tant que ça, seulement 37%. Désormais, MKLO reprend le contrôle, va changer extrêmement profondément. Il trouvera le upper en reverse. C'est le avec le backer, mais qu'est-ce que c'est que se passe de la part du meilleur joueur du monde qui le montre ici. Il y a plus de meilleur ennemi qui peut revenir quand même loin. Quoi? Avec le nerf. Mais qu'est-ce que c'est que se passe? Encore plus de CD. Pardon. Tout ça sort dans Tech Time Ladies. C'est pas le numéro 1 mondial pour rien, bordel! C'était violent. Il n'y a plus de double saut. On profite du side B, voilà, merci beaucoup. Et là, c'est la punition. Notre alert 1-2. On extend avec le forward air. Notre alert 1-2. Upper avec la upper, c'est excellent. La tax gloutonie, 84%. Attention, la nerf. Et là, justement, il a reroulé. Let's go! C'est ça que je te dis tout à l'heure, Colin, roll-in à base de barre. Regarde, quand je roll-in, qu'est-ce que tu fais? Voilà. Et bah, tu fais rien sur les boutons pour être sûr d'anticiper sur son landing. Oh là là, encore erreur d'exécution, mais c'est terrible, Colin. Mais tout reste à faire. Okay. C'est un forward air dash attack qui est en train de s'en suivre. Gloutoni peut peut-être aller chercher quelque chose. Non, ça marche pas. Dash attack, savoir spot. Oui, il y a pas. Gloutoni qui arrive enfin, un reverse tous les sets qu'il a perdu jusqu'à maintenant. Ça ramène un peu le set count à 2-1 pour Gloutoni contre Cola récemment. 180%, il va falloir trouver un coup très spécifique. Merci. Et notamment le backer là-dessus. Ce qui est assez drôle, on rappelle que Zumba lui a arraché la première stock de la même manière, backer en undershoot. Comme quoi, c'est apprêté pour un rendu. Et là, on est reparti, on avait utilisé Mew Dwarf tout à l'heure. Ce dernier doit être en train de recharger. Et tous ces EPR, ils font plaisir. Bien joué. Parce que ma EPR, il est pris. Et on prend cette première game. Oui, monsieur, c'est parti. Zumba qui s'est dit, on part sur Smashville, c'est agressif, on fait non, en fait Kalos, en fait j'ai rien dit. Alors que la taxe Gloutoni est prise, il est sérieux là. 91 l'Essonne, mon ref. L'Île-de-France en force, nos cités ont du talent.
Quelle couverture. Quelle couverture. Le petit saut pour forcer l'erreur là ici et punir avec quoi le backer. Par contre, c'est un échange de bonne aloi. Et ben on va prendre. Ben, écoute, tout ça touche. Oui, non mais je sais. Point d'interrogation. Je prends, j'avance. Vive la France. Light le sait et ça peut être dangereux pour la suite. Par contre, quel pari? Quoi? Quel pari? Paris Presse, Paris France, Paris Presse, je ne sais non, plus. Il y va, Gluto, faute, saut, double saut pour forcer l'erreur. Puis... on va chercher la recovery de l'autre côté, mais il n'est pas tiré d'affaire parce que cette moto se retourne sur lui. Ah, c'est terrible. S'il se fait tuer là-dessus, ça veut dire que c'est une mise en désavantage terrible. Light, le contre son camp. Un contre son camp lamentable. Tu... attention, stopper, parce que la prochaine mise en poche, pardon. Tant qu'il lâche attaque, c'est dehors. Or, Gluttony lève les mains, il lâche sa manette sur le bureau. Je ne sais même pas ce qui vient de se passer. Ce freeze frame ne s'applique pas vu que c'est un projectile. Bref, c'est dans le... ouais, mais alors celle-là, on te roule dessus mon gars, dehors. C'est dommage, on a glissé off stage. On a voulu aller un peu loin en oubliant que le personnage n'avait pas une bonne recovery. On en profite. Du coup, on a maintenant une belle avance, on continue de gratter, on a ce qu'il faut, petit 50 ans. Un peu plus, t'es off stage. La limite, on te laissera pas la charger, on va chercher. Et on te mange. Et on te mange. Les spécialités mexicaines, on les bouffe ici. Mais oui, monsieur, de tous les mets, on les mange. Attention à Sledge Rap, y'a l'ennemi break qui est ici. C'est les contretemps un petit peu fallacieux. Il est en grande finale! Gluttony est en grande finale du Genesis 8! Putain de bordel de merde! Le joueur français est en putain de grande finale du Genesis 8! Mais putain! Ça fait 20 ans qu'on en rêve! Je crois que c'est un des moments où j'ai toujours rêvé. Un Français qui est en grande finale du Genesis, ce tournoi qui fait tellement rêver, ce tournoi qu'on a toujours regardé de loin, ce tournoi qui a toujours été des plus historiques. Je vois que MK et Léo, cheveux verts, s'installent. Oh putain. On sait beaucoup, hein, mine de rien, face à un Wario qui est censé trouver la kill dans pas trop longtemps. Aïe, ce commit va faire mal. MK et Léo ne détestent le voir passer ce genre de... oh, oh ouais. Ah, ça fait mal à qui? Ah bah d'accord. Ça fait mal à qui? Ah bah très bien. Et on a toujours des notions de micro-timing pour le moment entre les deux, mais on suit. On continue d'avoir ces belles petites lectures pour le moment. On connaît MKLEO pour être un monstre d'adaptation, mais Gluttony n'est pas dernier bien là-dessus joué. Non plus. Il est très bon pour aller forcer les options. Est-ce que cette fois-ci, pour une première, il va perdre la première game? C'est un oui. MKLEO commencera, ouvrira le score. Ce n'en est que plus shonen. Ça ne fait rien, on passe d'un bout à l'autre du stage avec leur pourcentage élevé. On est très gourmand sur les edge guards, ouais. Peut-être un petit peu trop, et tu l'as dit, tu l'as senti affecter le Gluttony. Je te rejoins, peut-être un petit peu impatient. Non, pour l'instant, ce claquement de fesses ne va pas venir tout de suite. Hein. Il manque encore un petit... ah, il y a ce commit qui va se payer cher, quoique... oh, ah ouais, là par contre, c'est la punition immédiatement. Ah ouais, 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 ouais. On a du mal à aller contester l'espace que MKLEO maintient. On rappelle, c'est un peu le style okay, des Mexicains de maintenir ce contrôle. On survit okay. Une fois, c'est pas okay. Mais pas deux. Et est-ce là, qu'il a atteint et d'un coup, il s'oublie? Son esprit compétitif s'est éteint, je ne sais pas. Mais 2-0 déjà, on pourrait finir sur un 3-0 MKLEO vainqueur du Genesis. Ouais, enfin quoi qu'il arrive, quoi que soit ce résultat, messieurs dames, évidemment Gluttony fait quelque chose d'historique. De toute façon, j'en ai rien à foutre. Aïe aïe aïe, ce oh 0 là to là. Death. Wario, Gluttony doit essuyer cette stock de retard. 3-0 peut-être, mais en tout cas c'est un Wario qui n'a pas perdu le sens de la compétition. Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. On est reparti justement là. Ah ouais mon petit pote, tu me fais un 0 to death. Ah ouais ton petit pote, tu m'en fais un. C'est un prêté pour un rendu. Le coup, tous les calls sont bons pour Glutto. Tous les calls sont bons. Là ça va, F-Til d'ailleurs ça dit pas, bon. Pas encore, pas encore, attention. Voilà, faut y aller bon. Très profond, très profond. Parce que c'est ça la clé, c'est ça la clé. Il a tout ce qu'il faut, par contre très joli nerf de la part de MKLEO. Il en use, il en abuse de ce dernier depuis l'edge. Et des fois ça passe, des fois ça casse. Et là cette fois-ci ça passera et ça cassera côté Gluttony. Backer malentendu, il attend de mettre un forwarder. Même MKLEO sur une phase de spacing exceptionnelle. Et là je suis la raison sur tous ses choix. Il n'y a plus de double saut. Il y a quand même ce waft avec la super armor pour s'extirper. C'était sa seule chance de s'en aller, mais MKLEO le sait. Il a un boulevard devant lui. Aucune ride ne fera mal, quoique dans le petit trishop, forward throw ici, merci monsieur Gluttony, faut en profiter, mais il a pas envie, il est terrifié par le fait d'y aller. Il est terrifié, c'est la dernière stock au Genesis, K8 peut-être. Il y a MKLEO qui sait qu'il est en toute impunité, cette dash attaque de tous les diables, qui permet à MKLEO de briller au top niveau mondial depuis la sortie de ce perso DLC de ses grands morts avec zéro charisme, mais les cheveux verts de fou. C'est pas grave, 140% bon Glutto, il faut y aller, mais c'est terminé. Et MKLEO est bel et bien le grand gagnant de ce Genesis 8. Mais Gluttony est bien le deuxième homme, le deuxième meilleur joueur mondial pour l'instant peut-être selon le Genesis 8.
Quelle trajectoire, quel parcours d'honneur du joueur français qui ne parviendra pas à s'extirper des griffes du 3-0 d'MK et Léo.